Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est un style de vidéo que j'ai jamais fait encore sur ma chaîne. J'ai parlé de nourriture et c'est vrai que avec les années j'ai établi quelques petites stratégies pour éviter de mal manger malgré mon manque de temps. Parce que c'est vrai qu'on pense toujours que c'est difficile de rester sur la ligne quand on n'a pas le temps, mais c'est totalement faux et j'en suis la preuve clairement. Donc si tu regardes cette vidéo, c'est que tu manges pas forcément super bien et que t'aimerais t'améliorer, mais faire un régime ou commencer à acheter que des fruits et des légumes, ça te paraît impossible, cette vidéo est pour toi. Donc pour vous expliquer rapidement ma relation avec la nourriture, étant plus jeune, donc là j'ai 18 ans, étant plus jeune, je pense que quand j'étais au collège, etc., j'avais vraiment une très mauvaise hygiène de vie. Je mangeais, pour vous dire, des pizzas surgelées au goûter. Voilà, je mangeais vraiment pas très bien, mais j'ai toujours eu la chance de pas prendre de poids. Donc attendez avant de quitter cette vidéo est pour tout le monde, tous les types de problèmes. Mais voilà, cette vidéo est pour toutes les situations différentes. Et donc moi, c'est vrai que j'ai eu la chance vraiment de pas prendre de poids. Le seul endroit où je prenais vraiment du poids, c'était mon visage. J'ai toujours un gros visage quand je mange trop. Et en fait, un beau jour, j'ai eu de l'acné. Une des causes principales de mon acné était la nourriture aussi, parce que je mangeais vraiment gras. J'étais pas trop sucre, mais je mangeais vraiment très très gras, ce qui n'était pas bien du tout. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai décidé d'améliorer mon hygiène de vie, ça a été vraiment mon acné. Ce qui est très important pour améliorer son hygiène de vie, ça va vraiment être de trouver la raison pour laquelle vous voulez le faire. Une fois que vous avez trouvé la raison, vous allez pouvoir vous fixer des objectifs et là vous allez pouvoir vraiment commencer le processus. Donc il peut y avoir plein de raisons, vous pouvez vouloir perdre du poids, plus avoir de cellulite, avoir une plus jolie peau, être en bonne santé, enfin il y a plein de raisons possibles. Donc c'est vrai qu'être en bonne santé, ça devrait être la première raison pour laquelle on devrait améliorer tous notre hygiène de vie. Mais je comprends totalement les personnes qui n'ont pas assez de motivation. Et c'est vrai que parfois c'est dur de se rendre compte que effectivement manger plusieurs McDo par semaine, bah, c'est très mauvais pour notre santé. Parce que peut-être qu'on prend du poids mais ça nous dérange pas. Et voilà, c'est un peu difficile de se rendre compte, voilà, que c'est très important pour la santé parfois. Je pense que plus on vieillit, plus on s'en rend compte. Mais quand on est jeune et qu'on a de l'énergie tout le temps, c'est un peu plus difficile. Je sais que ça va en choquer certains que je dise ça, mais je suis honnête et je pense que ça parle à beaucoup de monde. Que voilà, le plaisir de manger passe bien avant le fait d'être en bonne santé, manger 5 fruits et légumes par jour. C'est un peu difficile de se rendre compte de tout ça. La raison pour laquelle j'ai voulu améliorer mon hygiène de vie, c'était absolument pas pour être en bonne santé, c'était pour avoir une meilleure peau, donc je comprends d'autant plus. Alors il y a des personnes qui peuvent tout arrêter du jour au lendemain, qui se disent bon bah voilà, je veux perdre 10 kilos, je vais faire un régime, plus rien manger de malbouffe. Et je vais faire du sport à fond, je vais tout stopper et là voilà, pendant 6 mois je vais faire ça, pour cet été je vais avoir un corps de rêve et tout. Il y a des gens qui sont vraiment capables de faire ça, mais je vous admire tellement. Tout est une histoire de déclic aussi, mais très honnêtement, moi c'est absolument pas mon cas, mais c'est impossible que je stoppe tout. Je ne peux pas tout stopper comme ça du jour au lendemain, plus manger de ci, de ça, pour perdre du poids ou pour avoir une meilleure peau. Impossible, c'était impossible pour moi vraiment. Et je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes vont me comprendre quand je dis ça. J'admire les gens qui arrivent à tout stopper du jour au lendemain, prendre un coach ou aller à la salle de sport et se motiver, y aller tout le temps, plusieurs fois par semaine, pendant des mois et des mois, sans jamais relâcher. Je vous admire. Et c'est vrai qu'à mes yeux, arrêter de mal manger, c'était genre faire un régime, tout stopper. Enfin, j'avais vraiment la flemme et pas l'envie, mais c'est vrai qu'après, il y a eu tout mon acné qui a fait que bah peut-être que je vais me bouger et faire 2-3 trucs pour aller mieux. Donc au niveau des conseils que je peux vous donner, pour moi avant tout il y a deux choses à comprendre avant d'essayer d'améliorer son hygiène de vie. Pour moi tout est une question d'habitude et il va falloir que vous remplaciez votre malbouffe par quelque chose d'autre mais qui vous apporte autant de plaisir que de manger votre McDo ou autre, hein, je dis McDo mais c'est tellement d'autres choses, il y a aussi le sucré, ceux qui mangent des gâteaux matin, midi, soir. En fait c'est simple, il faut remplacer la malbouffe et s'y habituer. Si votre malbouffe c'est le sucre, remplacez le mauvais sucre par du bon sucre. Si votre malbouffe c'est le gras, remplacez le gras par du bon gras. Mais c'est vraiment une question d'habitude. Alors, parce que dit comme ça c'est très simple, hein, c'est comme un régime, c'est-à-dire que là, ok, je mange des pâtes tous les jours et bah je vais remplacer les pâtes par la salade. Non, voilà, on est bien d'accord que si vous êtes là, c'est qu'on n'y arrive pas, que c'est pas pour nous et que on n'a pas envie.
Mais en fait, c'est vrai que dans cette situation, ça prendra peut-être un tout petit peu plus de temps, mais ça sera beaucoup moins difficile et beaucoup moins tout d'un coup comme ça, tout stoppé. Personnellement, ce que j'ai fait, pour tout vous dire, moi dans mon lycée où j'étais, c'était un lycée privé et donc il n'y avait pas de cantine. Donc il fallait que je ramène à manger tous les jours. Mais alors ça, c'est le pire truc de la terre parce que au lieu de ramener à manger, vous allez manger à côté, machin. Moi, il y avait un quick juste à côté, je m'entifrais de quick matin, midi, soir. Bon, c'est pas vrai, mais bon, j'aimais trop manger quick. Et surtout, quand je cuisinais chez moi et que je ramenais des plats pour le lendemain, mais je mangeais des pâtes et voilà quoi. Des pâtes avec plein de sauce, c'est tout. J'avais pas la foi de me faire une salade de ouf ou un truc genre... pour moi, ça me paraissait impossible. Ce qu'il faut faire, imaginons que... voilà, je vais parler des midis. Imaginons, vous travaillez, vous êtes en cours, peu importe. Le midi, vous avez l'habitude de aller manger dehors. Donc, vous allez avec vos amis, vos collègues, manger, je sais pas, un McDo ou un resto où vous mangez des pâtes ou j'en sais rien, voilà, ça peut être tout n'importe quoi. Vous prenez des pasta box vous achetez des pasta box, vous achetez des plats tout prêts. Donc, on va prendre cet exemple-là pour améliorer cette situation. Imaginons, vous mangez 3 fois par semaine McDo. Alors peut-être qu'il y en a qui seront ultra choqués, mais je connais tellement de personnes qui mangent même bien plus que ça des McDo dans la semaine. Voilà, imaginez, vous mangez 3 fois par semaine McDo. Et bah là, si vous avez envie d'améliorer votre hygiène de vie, la semaine prochaine, vous vous dites... bon là, oui, il y a le coronavirus, hein, c'est différent, mais vous m'avez compris. Vous vous dites la semaine prochaine, voilà, sur mes 3 McDo, il y a un McDo que je vais remplacer par quelque chose d'un peu mieux. Alors quand je dis un peu mieux, il faut y aller en douceur. En douceur, toujours en douceur, et améliorer un petit peu. C'est-à-dire que je vous dis pas remplacer votre McDo par une salade. Si vous y arrivez, mais faites-le. Moi, je parle des gens qui ont vraiment énormément de mal à passer du tout au tout, qui n'aiment pas la salade, ou qui... je dis des salades parce que c'est ce qu'il y a de plus simple, mais qui n'aiment pas, j'en sais rien, tous les légumes, qui n'ont pas l'habitude de les cuisiner, qui n'ont pas l'habitude d'en manger. Imaginons, on remplace ce petit McDo par un petit sandwich ou un petit bagel. Donc ça sera qu'un 1 sur 3. Mais déjà, vous allez vous sentir mieux. Vous prenez un sandwich, je parle pas des triangles à Carrefour. Hein. Je parle d'un sandwich à la boulangerie, voilà, avec du pain frais, des bons ingrédients. Même si c'est pas le truc le plus diététique qui existe, clairement pas. Mais ce sera toujours mieux que votre McDo. Si vous faites ça, la deuxième semaine, vous allez peut-être essayer de remplacer les deux McDo par deux sandwichs. Et la troisième semaine, de pas aller au McDo et de prendre que des sandwichs. Vous faites ça... tout d'un coup, en un mois, en deux mois, en trois mois, vous faites comme vous voulez. Mais tout est une question d'habitude. Et pour s'y habituer, il faut que ce soit vraiment au fur et à mesure. Au fur et à mesure, pour moi, c'est vraiment la clé de faire les choses au fur et à mesure pour s'y habituer. Parce que si pendant deux semaines, vous mangez que des salades d'un coup, vous vous rendez compte qu'en fait, bah, ça vous saoule, vous avez envie d'aller au McDo et vous craquez. C'est comme ça qu'on craque et c'est comme ça qu'on n'arrive pas à avancer. Parce que moi-même, ça m'est arrivé de me dire, bah voilà, là pendant deux semaines, je donne tout, j'essaye de bien manger, de jamais manger de sucre, de trucs, de pas grignoter entre les repas. Et tu tiens peut-être pendant deux semaines, mais après t'as envie de craquer, t'as envie de manger du sucre parce que t'es frustré. Et pour pas être frustré, il faut y aller au fur et à mesure. Et surtout, faut pas que ce soit difficile, que genre vous mangez votre salade, vous avez envie de vomir. Et donc au fur et à mesure, vous avez vos 3 sandwichs par semaine. Et parmi ces 3 sandwichs par semaine, vous allez remplacer votre premier sandwich par une salade ou un plat. Si voilà, si vous, c'est pareil quand si vous ramenez à manger le midi, par exemple, si vous avez l'habitude de manger des pâtes à la sauce tous les midis, au lieu de ça, vous allez prendre des pâtes à la sauce, vous allez ajouter des petits légumes. Puis après, vous allez enlever la sauce. Et puis après, vous allez rajouter un petit bout de poulet. Puis après, vous allez remplacer les pâtes par du riz. Et c'est comme ça qu'on fait les choses au fur et à mesure. Et en fait, ce qui va se passer, et là, faites-moi confiance là-dessus, vous allez commencer à vous habituer au fait de manger un petit peu mieux. Alors, je vous dis pas que en mangeant vos 3 sandwichs par semaine, vous allez vous sentir incroyable, j'ai perdu 10 kilos, pas du tout. Je dis juste qu'au fur et à mesure, vous allez de mieux en mieux manger, et plus vous allez aller du bon côté, plus vous allez vous sentir mieux, et moins vous aurez envie d'arrêter. Parce que, en fait, c'est ça. C'est que, par exemple, en tenant 2 semaines en mangeant super bien, on se sent peut-être un petit peu mieux, mais pas assez pour pas craquer, en fait. Tout ça, ça vous fait entrer dans un rythme. Personnellement, maintenant, je pense avoir une bonne hygiène de vie, bien manger. Ça veut pas dire que je mange pas McDo, ça veut pas dire que je mange pas de sucre, c'est pas vrai. Parce que quand vraiment j'en ai envie, je vais en manger. Et maintenant, je mange des McDo, je mange du sucre, mais j'en mange pas tout le temps. Et c'est vrai que déjà j'ai beaucoup plus de plaisir à manger parce que si j'en mange tous les midis, bah après je m'en fiche, hein, c'est comme si je mangeais un bout de pain. Et en plus, je me dis pas genre...
ça craint, j'ai mangé 6, parce que c'est une fois, c'est pas grave. Plus vous allez sentir les effets, plus vous allez vous canaliser et moins vous aurez envie de craquer en fait. C'est vraiment, c'est incroyable ce rythme, et ça fait la même chose quand on fait du sport. Dès qu'on voit les effets en fait, on n'a pas envie d'arrêter parce qu'on se sent bien et ça continue. Donc voilà, c'est un cercle, il faut juste rentrer dans le cercle. C'est ce qu'il y a de plus difficile, mais rentrer dans la boucle, c'est vraiment pas facile parce que voilà, c'est comme je vous ai dit, au fur et à mesure, améliorer un petit peu ses plats, c'est pas facile parce que ça change nos habitudes et que ça fait peur, on a peur de pas réussir, de craquer tout le temps, et si vous craquez une fois, c'est pas grave, ça veut pas dire que vous allez tout rater. Si vous essayez pas, si vous donnez pas de vous-même, vous y arrivez pas. N'oubliez pas vos objectifs et pourquoi vous faites ça. Et après, voilà, il y a... Vous pouvez devenir végétarien, vegan, faire tout ce que vous voulez. Vous y trouverez votre compte et vous arriverez un peu à suivre ce que vous aimez. Après, je sais que c'est difficile de remplacer. Parce qu'on sait pas forcément par quoi remplacer. Et qu'on a peur aussi parce que ça peut coûter cher. Mais honnêtement, je vous dis la vérité, ça vous coûtera moins cher d'acheter des légumes et des petits fruits plutôt que d'acheter des gâteaux Kinder Bueno et des bouteilles de coca pendant que vous faites vos courses, croyez-moi. En parlant de bouteilles de coca, pour ceux qui boivent du sucre à longueur de journée, des sodas, des jus de fruits, ça, arrêtez de suite. Ça, c'est vraiment, c'est gravissime. Ça, pour le coup, je vous conseille, un verre sur deux, vous prenez un verre d'eau. C'est simple, quand vous avez envie de coca, vous dites, la dernière fois, j'ai pris quoi? Du coca? Bon, bah vas-y, là, je bois un verre d'eau, et après, peut-être que je prendrai un verre de coca. Il faut espacer au fur et à mesure, c'est pareil, parce que ça, c'est vraiment pas possible. Moi, je ne bois que de l'eau, jamais j'achète une canette, j'en achète vraiment, genre ça m'arrive peut-être 3 fois par an quand vraiment j'ai super envie d'un truc, mais sinon j'achète que de l'eau, et je ne bois que de l'eau, que ça, et pourtant j'adore le chaud agrumes, le coca, ce que vous voulez, mais j'ai envie d'eau parce que je sais que ça va me mettre bien, et que je vais me sentir bien, que ma peau sera mieux, donc je vais boire que de l'eau en fait, c'est aussi simple que ça. Et encore une fois, dit comme ça, ça a l'air simple, on se dit bah ouais vas-y, la meuf elle nous dit de boire de l'eau et voilà. Mais croyez-moi, essayez, et une fois que vous rentrez dans le rythme, vous allez y arriver, croyez-moi. Et c'est vrai que je parle du rythme parce que je vous apprends peut-être pas un truc de malade en vous disant voilà, moi j'ai une technique qui est incroyable, non, mais je vous explique juste comment moi j'ai fait et je vous parle de rythme parce qu'on se rend pas compte. On nous dit, voilà, vous remplacez ça par ça, non, ok, donc ça veut dire que je vais manger de la salade tous les jours avec un morceau de pain, peut-être une fois par mois. Non, c'est pas ça. C'est qu'une fois que vous êtes dans le rythme, c'est bon, parce que vous sentez bien et vous avez envie de continuer. Et puis vous allez quand même prendre du plaisir à manger, parce que croyez-moi que quand je mange ma tartine de Nutella, je me dis, ma peau, merde. Et quand je mange ma pomme, je me dis, ça va améliorer ma peau et en plus, c'est bon. Donc moi, j'ai toujours été très salée. J'ai toujours aimé manger un peu gras, des pizzas, des burgers, les burgers. Mais si je pouvais manger ça matin, midi, soir, je le ferais vraiment. Et donc c'est vrai que j'étais pas trop sucre à l'époque. Donc quand je mangeais ma pizza au goûter, c'était vraiment un plaisir pour moi. Et donc j'ai toujours aimé quand même manger gras et salé. C'est vraiment dégueu comment je le dis, manger gras et salé. Et donc par quoi j'ai réussi à remplacer mon gras, mon mauvais gras, par du bon gras? C'est de l'avocat. C'est par l'avocat que j'ai réussi à remplacer ma pizza en gros. Alors évidemment, il y a eu un milliard d'étapes. Je me suis pas dit un matin, bon bah vas-y, je mange pas ma pizza, je vais manger mon avocat. Pas du tout. Je suis passée par plusieurs étapes. Là voilà, je vais vous donner quelques exemples où on passe du tout au tout pour vous prouver que c'est totalement possible. Donc quand je rentrais le soir, je me faisais des toasts d'avocat avec des œufs. Et en fait c'est salé, ça te cale et l'avocat c'est vraiment gras. Et surtout que vous pouvez mettre quand même des petits trucs que vous aimez, j'en sais rien, de la feta, même d'un peu de fromage dessus, j'en sais rien, si vous aimez le salé, vous savez que... voilà. Et ça sera toujours mieux que votre pizza, et en fait ça marche vraiment parce qu'en fait on est vraiment calé. Et en fait l'avocat c'est juste trop bon. Quand j'avais du bon pain, je me disais mais... j'ai envie de manger ça, genre dès que je rentrais le soir j'avais trop envie d'en manger. Ce que j'aimais trop aussi c'était les gâteaux au petit déjeuner. Les gâteaux, vous savez, genre les petits écoliers au chocolat, mais ça c'est... c'est tellement bon. Et donc ça, je l'ai remplacé par des porridge. Donc pour ceux qui savent pas, d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous partage pas mal de petits trucs de ma routine. Et donc les porridge, je mettais du lait d'amande. J'adore les amandes, c'est trop trop bon. Du lait d'amande, des flocons d'avoine. Vous faites chauffer ça et vous ajoutez du beurre de cacahuète,
Vous pouvez ajouter même un peu de pâte tartinée, vous ajoutez des noix, des amandes, des baies de goji, voilà, du sirop d'agave, tout ce que vous voulez dedans. Et en fait, vous mélangez le tout avec un fruit aussi. Mais c'est tellement bon. Et franchement, encore une fois, je me dis que ça, ce truc trop bon, va me faire du bien. Alors que ces petits écoliers, c'est peut-être trop bon, mais ça va me... Ça va pas me rendre bien, je vais direct manger le truc trop bon et qui me met bien, ça c'est sûr. Et aussi mon gros problème c'était le grignotage, ça, c'était gravissime, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'heure, je me disais pas ah non là je vais peut-être manger dans une heure et tout, mais pas du tout. J'ai envie de me taper un sandwich avant de manger mes pâtes, bah je vais le faire. C'était vraiment n'importe quoi. Si vous grignotez du sucré, par exemple un truc trop bon c'est... les galettes de riz, vous mettez du beurre de cacahuète et de la banane dessus, mais c'est tellement bon. J'adore le Nutella, j'adore ça, je mange à la cuillère comme les trois quarts des gens sur cette terre. Je vous jure que entre manger du Nutella dans du bon pain de mie et manger ma galette de riz avec mon beurre de cacahuète et mes bananes, mais sans hésiter mon beurre de cacahuète, mais direct, c'est tellement bon. Donc voilà, c'est mes exemples, c'est assez marrant de vous raconter ça, c'est trois petits exemples voilà, sur moi ce que j'ai fait, mais après vous allez trouver évidemment ce qu'il vous faut. Vous pouvez aussi regarder sur internet, il y a plein de programmes, c'est vrai que vous pouvez regarder même des régimes, ce qu'ils conseillent de manger, etc. Et peut-être remplacer juste les ingrédients par d'autres, comme ça vous trouvez un petit peu ce qui vous plaît. Mais il faut que ça vous plaise, sinon vous n'allez pas tenir. Moi tout ça c'est parce que j'ai envie de manger, clairement mon avocat je pourrais vraiment en manger matin, midi, soir, autant que les burgers, j'adore ça, donc en fait il faut juste trouver ce que vous aimez et ne dites pas que vous n'aimez rien, parce qu'un ingrédient qu'on n'aime pas mais qu'on cuisine peut-être différemment de d'habitude, on peut peut-être l'aimer. Il faut vraiment tester et trouver en fait ce que vous aimez tout simplement. Et après encore une fois, si vous êtes motivé pour suivre un programme nutritionnel, vous pouvez le faire. Le gros conseil aussi que je peux vous donner, c'est vraiment un conseil à prendre en compte, c'est de ne pas acheter. Si vous faites vos courses vous-même, je parle bien évidemment des gens qui font leurs courses, parce que après, si vous habitez chez vos parents, je sais que c'est bien plus difficile. Après, si vos parents sont assez flexibles là-dessus, vous pouvez leur en parler aussi. Si vous faites vos courses et que vous achetez des Kinder et des pizzas surgelées, mais que vous vous dites, non, bah ça sera juste pour quand j'en ai envie, blablabla, c'est tellement difficile de ne pas craquer. Parce que je peux vous assurer que si là il y avait des Kinder Bueno dans mon placard pour se canaliser, ce serait un petit peu moins facile. Croyez-moi, entre se canaliser pendant qu'on fait nos courses et se canaliser chez nous, il y a un monde. Par exemple là pour le confinement, on a tous vu les vidéos des gens qui se jettent sur le papier toilette et sur les pâtes. Mais autant vous dire que bon courage si vous avez que les pâtes pour manger. Donc évidemment moi j'adore les pâtes, hein. Juste les pâtes au beurre, j'adore ça. Mais alors si on rajoute des sauces là, n'en parlons pas. Tout ça pour vous dire que si vous achetez un milliard de pâtes, vous allez manger un milliard de pâtes. Si vous achetez un milliard de légumes, vous allez manger un milliard de légumes parce que vous n'allez pas avoir le choix. Et que c'est comme ça. Et que se canaliser quand on fait les courses, c'est pas difficile. Parce que déjà, on voit les prix et en plus, on peut pas manger dans le magasin. Alors que chez nous, on a déjà tout acheté et tout est accessible pour manger. Donc croyez-moi, si vous achetez peut-être un paquet de Kinder Bueno, ça sera votre seul truc sucré que vous avez chez vous. Croyez-moi, vous allez les savourer quand vous allez les manger parce que vous savez que vous avez que ça. Si vous mangez tout aujourd'hui, vous n'aurez plus rien demain. Donc vous allez étaler un petit peu plus votre consommation et c'est aussi comme ça qu'on arrive à ne pas craquer. Parce que j'avoue que là, mes placards, j'ai pas mal de légumes, enfin pas dans mes placards mais dans mon frigo, pas mal de légumes, de fruits, de petits trucs à grignoter mais assez diète, donc je vais avoir des fruits secs, des noix, et je sais que pour certains, parce que même je vois mes proches, pour certains quand je dis bah moi j'aime trop manger des amandes, on me dit mais ta vie elle est horrible, elle est triste, mais pas du tout, genre j'aime trop les amandes et en plus de ça, ça me met en bonne santé. Et avant, il y a quelques années, entre manger mes petits écoliers et mes amandes, j'aurais choisi mes petits écoliers direct. Et pourtant, ma vie, elle est horrible. Je mange des petits écoliers, c'est mauvais pour moi. Donc voilà, c'est tout un cercle, hein, je vais pas me répéter 400 fois, je pense que vous avez compris le principe. Et après, si vous faites du sport, ne serait-ce que déjà une fois par semaine, c'est le même principe, hein. Après il faut s'y habituer. Si vous commencez par une fois par semaine, pendant un mois, c'est déjà très bien. Surtout pendant le confinement. Mais là, c'est le moment idéal, hein. Le confinement, c'est le moment idéal pour commencer à faire des choses.
parce que on a le temps pour faire du sport, on a le temps pour cuisiner, on a le temps pour tout. Donc je vous le recommande à fond. Et voilà, si vous combinez ça avec du sport, mais là, mais pour cet été, vous allez être fraîche et pimpante. Donc voilà, j'espère que ça vous aide un petit peu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai, et sur Instagram aussi. J'ai un Instagram plutôt perso et un Instagram de make-up artist, donc vous pouvez me suivre sur les deux pour suivre un petit peu ce que je fais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!